C'est avec un pile qui est content, Jodia, et recevoir l'autre invité dans l'émission Point Vigile matin. Et parce que Jodia, c'est dimanche Pâques, et d'après l'histoire de la Bible, dans dimanche Pâques, il apprend nous que c'est juste ça, et Jésus-Christ lui-même était ressuscité. Donc, nous choisissons un texte et un invité, c'est docteur Jean Fils-Aimé. Docteur Jean Fils-Aimé, bonjour, comment allez-vous? Moi, bien content, moi, très bien. Merci parce que vous recevez moi. Moi, très bien. Bonjour à vous-même. Et puis, bon, m'espérer que nous allons passer un bon petit moment ensemble dans Point Vigile. Merci beaucoup. Ma parole est pour nous toutes, et amis mio. Et docteur Jean Fils-Aimé, il gagnait en 1997, il prend une maîtrise en histoire médiévale. Et en 2003, il prend un doctorat en théologie. En 2012, il prend une maîtrise en administration publique. Et il écrit, pour ça me connaît, sept livres. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. La Bible n'enseigne pas Satan. Vaudou, je me souviens. 200 ans de zombification massive. Et puis, sur les traces de Loubey Danton, ou bien Loubaï, je ne sais pas si c'est si bien prononcé. Et si les lois n'étaient pas des diables. Et en dernier, Vaudou 101. Voilà, c'était comme ça. Moi, j'étais capable de présenter, docteur. Je ne connais pas si je fais faute, si je fais erreur, si des bagailles que Oui, moi pas dit. alors ça me comprendre, c'est que ou aller sous citoyen ou relever livre qui sous cite là, mais en réalité, m'écrit 13 monographies, hein. Voilà. Et m'ba se gen kek titre, gen nan yo ou pa wè la, se par exemple mè kon roman, yon rekèy de nouvel ki rele Une vie de poubelle, ke ou pa wè trouvé sou site mwen, Oui. mè kri yon rekèy aussi sur la tolérance religieuse les musulmans au Québec, mè kri yon lot livre ankon sur le cancer de la prostate, parce que m'te payé par une compagnie pharmaceutique pour m'te travailler ensemble avec un médecin qui c'est médecin moi d'ailleurs sur la problématique de la enfin, du cancer de la prostate. Donc m'ajouter 3 assortis là qui fait 10 10. et gagner 3 lots qui publient en Europe et puis qui épuisé. Mais sous problématique vaudou, sous problématique histoire, mais bon, c'est Et voilà. En tout cas, Oui. je dis à pasteur, nous allons parler d'un texte, d'un autre pasteur qui est Derry Benson, écrit, musique là, elle est moins vrai ou dans un autre niveau. Mais à ce moment-là, nous allons essayer, pasteur, nous allons essayer et aider nous comprendre texte pasteur Derry Benson. Derry Benson, il commençait à chanter à comme ça. M'ap cheche ou, mwen bezwen ou. Mwen bezwen ou, plis ke avan. Mwen senti nan mwen soif. Mwen bezwen ou, nan yon lot nivou. N'apwa ke, se yon kwatren ki kompoze de ver libre, avek yon rim plat, epi ki genye yon asonans an ouen nan tout strof la. Lèl pale de ouen, bezwen, mwen bezwen, donc, nous, assonance 1, li sonne dans toute strophe là. Ensuite, li gen yon allitération en M, dans toute strophe là encore, elle dit, m'ap cherche, m'besoin, moins. Donc, il gen assonance en M. Ensuite, li gen yon anaphore avec mot moins, qui dans vers 2, juste rivé dans vers 4, ou anaphore avec le mot moins. Et puis, nous genyon personnification. Dans vers 3, il prend nomnant, il personnifie, il fait tourner une sorte d'organe buccal, l'elle dit que, et nomme moins soif. Donc, question que pour docteur Fils-Aimé, est-ce que j'en ai essayé de comprendre, et première strophe là, est-ce que c'est un monde qui déconnecté avec bon Dieu? Ou bien c'est bon Dieu qui déconnectait avec Mounsa, l'a cherché un bagaille pour être capable de recoller les morceaux.
Mais d'abord, c'est une musique que j'entendais à plusieurs reprises et le pasteur a chanté très bien. Et j'ai l'homme qu'on a fait non l'autre temps, il y a quelques années, l'homme qu'on a passé mop la carme le samedi, l'homme a fait ménage et puis quand on mettait musique, ça, il chantait bien. Bon, pour des raisons qui différent de lui-même. Bon, évidemment, est-ce que vous posez question, est-ce que son monde qui connecte qui est déconnecté de bon Dieu, ou bien est-ce que c'est bon Dieu qui est déconnecté de lui? C'est intéressant pour que nous avons réfléchi ensemble sur qui ça nous entend par Dieu. Parce que moi, vi nan mot galvaudé, li vi nan mot toxique, li vi nan mot valise, et li vi nan objet de yon appropriation presque exclusive pour les soi-disant religions révélées, le de pour dire Dieu. Un chrétien dit c'est pas maintenant. Un musulman dit c'est pas maintenant. Et un juif dit c'est pas maintenant. Alors que c'est une appropriation non seulement qui est arbitraire, mais qui est récente dans la ligne du temps. Parce que, soit regardez, le judaïsme remontait en gros au 5e, 6e siècle avant notre ère. Le christianisme, cela va sans dire, on dit pompeusement 1er siècle, même si historiquement c'est 4e siècle. Et l'islam au 7e siècle. Mais l'idée même d'un Dieu, l'idée même d'un être suprême, l'est co-extensif à l'humain. C'est-à-dire, dès que ou bon monde qui commençait à poser peut-être les questions, qui côté me sorti, qui sens la vie a gagné, qui côté me voilà aller le mourir, est-ce que existence n'a même un sens, mais tu n'es pas loin de l'idée de Dieu. Et le mot Dieu en tant que tel, étymologiquement, il dérivait d'une langue hindoue qui fait référence à lumière. Bon. Une fois que nous finissons dit ça, on comprend que mot Dieu a en soi son construit culturel, puisque chaque peuple, chaque individu approchait lui de terme ça en fonction de temps ni en fonction de lieu lui. Bon. Et pour nous-mêmes, les afro-descendants, parce que rapidement, il faut me situer li, dans un ancrage afro-descendant. Pour nous-mêmes, les afro-descendants, bon Dieu, pas tellement dehors qu'en dedans. En sorte que l'heure où dit est-ce que c'est bon Dieu qui est déconnecté de nous, ou bien est-ce que c'est nous qui déconnecté de bon Dieu, on a plutôt parlé d'une prise de conscience. Dieu, pour moi-même, c'est une prise de conscience de sa finitude. Hein? Bien bon Dieu, lorsque je me prends conscience de ma finitude et lorsque je me postule que doit être infini. Bon. Évidemment, je ne vais même pas parler de Dieu, je ne suis pas même sûr que je dois parler de Dieu en termes d'être, être suprême, machin. Plus, vous voulez parler de Dieu en termes d'une énergie fondatrice, en termes d'une énergie première de laquelle nous toutes l'autre Dieu dérivé. Donc, si hypothèse moyenne vraie, donc si Dieu c'est une énergie première, ben il y a moins, puisque nous sommes émanation de lui, il y a moins dans lui. Donc, on pas capable de déconnecter de lui. Et lui-même n'est pas capable de déconnecter le moins. Ce qu'il faut, c'est une prise de conscience de cela. Et donc, lorsque l'auteur l'a dit, les soifs, les besoins, non l'autre niveau, et que ou amené à poser question, est-ce que c'est lui déconnecté, est-ce que c'est moi qui déconnecté? Et bizarrement, hier, tandis que je me suis passé à entrevue, ça, et puis m'a fait ménage dans la bibliothèque, moi, donc, et puis tombé son livre. Son théologien, je pense qu'il est Jacques Barrault, et qui parlait de la foi en termes de reconnaissance. Au fait, pour moi-même, c'est encore plus que reconnaissance, son prise de conscience. C'est prise de conscience du fait que pas à l'origine de tout, mais bagaille que à l'origine de l'IA, ouais, m'avait évité mot être, bagaille que à l'origine de l'IA, de même pacte avec elle, de même nature avec elle. Donc l'homme prend conscience de ça, mais je n'ai plus soif de quoi que ce soit, ni de rien. Parfait. Maintenant, dans
deuxième partie a, il dit que même moi Seigneur, mon grand goût pour présence ou, moi vle wè gloire ou, nan yon l'autre niveau. N'a pas remarqué que, et c'est un tercet qui composé de vers libres encore avec rime plate, et puis qui gagne yon allitération encore en M nan vers 1 an, et puis gagne yon assonance en 1 nan vers 1 an, et assonance en nous, en ou, le son ou, et puis nan vers 2. Mais, métaphore qui gagne nan tercet ça, il dit que mon grand goût présent sous. Est-ce que c'est une métaphore qui conforme dans un texte évangélique? Mon grand goût présent sous. Oui, dans un texte évangélique, bien sûr, parce que le mouvement évangélique, c'est un mouvement chrétien. Et la façon dont la théologie chrétienne concevoir Dieu, que je prends distance par rapport à lui, c'est que l'humain a un rapport je-tu avec bon Dieu. Il y a un sujet qui est je, qui observe un tu qui est Dieu et qui fait le constat que les grands goulis, le je qui a faim du tu. Bon. Ce rapport je-tu crée une distanciation inutile ou déformante de la dynamique du rapport entre l'énergie première et nous. L'énergie première, elle est toujours en nous, elle est partout. Et nous-mêmes, puisque nous participons de cette énergie, eh bien, nous toujours la donnons tout. Donc, ce « je tue », on prend distance par rapport à lui. Il n'y a pas de « je tue ». Il y a une espèce d'énergie de laquelle nous sommes tous. Et c'est prouvé, je dis à que, dans les sciences neurologiques, ils ont même pensé qu'il y a un seul cerveau pour tous les humains. Et que le cerveau PAO, activé de telle manière, l'égo impact, sinon incidence sur cerveau PAM, parce que neuronio communiqué d'une manière ou d'une autre. Et je dis à la science de la physique quantique que nous fait commencer à découvrir, eh bien, réaliser que, au fait, tout est énergie. Le mabgado là, ou semblait particule, mais en réalité, ou particule et énergie. Eh bien, si vous postulez que tout est énergie, eh bien, même ça n'est les dieux, son moment vie éviter, oui, mais éviter autant que faire se peut, eh bien, cette énergie première, nous n'en lit. Et donc, pas de rapport je tue. Nous c'est poisson. Nous c'est Dieu, c'est nous. C'est un peu cette intuition que Spinoza a gagné, Baruch Spinoza. Ah, oui. Tu vois, c'est Deus sive natura. Dieu, c'est la nature, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est le panenthéisme. Dieu est en tout et tout est Dieu. Alors, c'est comme tout a dit, Mrélie Jean-Fils Aimé, Jean, mais moins Jean, Jean soif Jean. Ça prendrait des explications parce qu'on va me dire, mais combien de gens y a-t-il en Jean? Eh bien, mais Dieu, elle est cette énergie première. Bon, maintenant, du point de vue évangélique, c'est une bonne façon de l'exprimer. Au fait, Saint Augustin, encore une fois, que je me suis cité, t'es dit que, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, même juste à montrer que ça, pasteur a dit, encore une fois, je pense que son musique anglaise, oui, que le traduit. Saint Augustin dit, tu nous as créés pour toi, et notre âme est inquiète, notre âme est angoissée jusqu'à ce qu'elle apprenne à se reposer en toi. Ça, c'est Saint Augustin, il y a un tu qui nous a créés, et donc qui est, le tu est différent de nous, nous sommes différents du tu, et notre âme est inquiète jusqu'à ce qu'elle apprenne à se reposer en toi. Et c'est cette analogie-là que auteur musical a exprimé, dans le sens que il dit moins soif, oui, il bien exprimer la théologie évangélique dans chanter ça. Mais encore une fois, pas d'accord avec théologie évangélique là. Oui, il conforme à la théologie évangélique, mais moi-même,
gen rezerv mwen D'accord. e par rapport Ou a sa. sort du bagaille qui attire l'attention. Ou parler de un jeu avec tu qui, j'en ai dit là, son poisson qui crasait dans le bouillon. Maintenant, Donc, si son pas gen poisson je qui tue. Pas je gen je tue. tue. Il n'y a Donc, pas de je exactement. tue. Donc, et qui importance prière gagner alors? Si, Ah, si. moi, ou très intelligent qui te félicite. Au fait, dans la théologie africaine dans laquelle je me situe désormais, il n'y a pas de prière. Les prières n'ont pas de sens. Je parle à mes ancêtres, mais je ne parle pas à Dieu. Bon Dieu, en tant qu'énergie première, m'ka saluer. C'est ce que font les Kamites. M'ka reconnaître lui. M'ka verser de l'eau. Mais une fois m'fin fait ça, m'parle avec papa qui mourit, m'parle avec grand-mère qui mourit, m'parle avec tel autre ancêtre qui mourit. Mais ce n'est pas prier, m'prier. Cette idée de supplier un être suprême pour dire fais-moi grâce. D'ailleurs, le mot grâce en soi, c'est un non-sens dans une théologie kamite. Nous sommes avec Pititou là avant de nous entrer en onde. Pas bon rapport de grâce entre vous-même avec ta fille. Elle est gracieuse, ta fille, mais tu ne fais pas grâce à ta fille. Quand ta fille vient parler avec vous, c'est pour un rapport que je vais te faire grâce. Non, tu aimes ta fille et par conséquent, tout ce qui est à toi est à ta fille parce que là où est Pititou, tu te vois, c'est une émanation de vous, son prolongement de En vous, ta fille, continuité. en continuité. Donc ta fille ne te prie pas. C'est très insultant. Au fond, nous ne rendons compte que son langage qui reflétait les régimes politiques dans lesquels la théologie judéo-chrétienne est née. C'était des régimes monarchiques. Il n'y avait pas de citoyenneté. On était dans un rapport de sujétion au monarque. Et donc, les sujets devaient supplier le monarque qui leur faisait grâce. Mais moi-même, comme Kamite, je ne me situe pas dans un rapport de grâce ou de disgrâce avec mes ancêtres. Et encore une fois, dans une théologie kamite, on salue l'énergie suprême, mais on s'adresse aux ancêtres de notre lignée. Et donc, dans une théologie proprement kamite, la prière n'a pas de sens. Donc, Parfait. pensez m'évoluer en pile par rapport à ça. Donc, tu vois, je parle à mes ancêtres dans le sens qu'ils sont en moi. Et en leur parlant, je me parle à moi-même. Parce que eux-mêmes, ils ont rendu dans un plan supérieur, puisqu'on ne meurt pas. Hein? La mort dans la théologie kamite n'existe pas. La mort n'est qu'apparence. Ils vivent autrement. Et puisqu'ils vivent autrement, ils ont rendu à un plan supérieur, côté que au café bagaille que m'baka fait, au café bagaille que m'boko ouais, m'parle avec yo. Et encore une fois, ça aussi, c'est un jeu. C'est un jeu, J-E-U, son jouet, parce que la physique quantique établit qu'il existe plusieurs univers en même temps. Moi-même, avec vous, ça n'a fait là, nous fait Nous déjà. faisons déjà. Et ça n'a fait, on n'a pas le fait encore. Et donc, prière n'a pas sens, puisque tout ce qui a été, tout ce qui est a déjà été, tout ce qui est sera. Donc, prière, l'on bien comprendre, mais prière, pas servir à grand-chose. Au fait, mwen kwen nan projeksyon mental, mwen kwen nan autosuggestyon. Sa ke kretyen re le priye, la mwen men vin re le l'autosuggestyon, mwen di, je ve, fè tel bagay, mwen mande bon Diyo edem, bon Diyo baka fon merde pou mwen, ekskuse mwen, mwen choke un peu, parce que bon Diyo pa gen pou rol de fè kwa ke se swa pou mwen. Et souvent, lè nou di nou priye bon Diyo et ke bon Diyo fè pou nou, se nou ke fè pou tèt nou. C'est de l'autosuggestion que nous faisons, c'est de la projection mentale, parce que puisque nos énergies, eh bien, nous avons créé une réalité à partir de propres énergies, nous. En sorte que prier dans ce sens-là n'a pas de sens. Pas de sens. Dans la dernière partie texte là, il dit que m'a crié, crié pour gloire, m'a relé, relé pour gloire. Moi, vle ouais, ou non, yon l'autre niveau. Maintenant, ça me demandé, est-ce que, sauf ça, c'est une forme de louange quand même, malgré que vous t'avez expliqué ça, mais est-ce que nous pas qu'à considérer sauf ça comme une sorte de louange que lui-même l'a fait à Non, Dieu? c'est plutôt une supplique.
Une super. Dans la théologie chrétienne, tu vois, ce qu'il fait là, c'est un psaume qu'il fait, c'est un cantique. Et dans la théologie chrétienne, l'homme dit ma vie ou est gloire, ma vie ou non l'autre niveau, c'est une supplication, c'est une supplique, c'est une demande. C'est pas qu'elle dit rends-nous gloire pour magnificence ou rends-nous gloire pour nature ou il dit ma vie ou est gloire, aide-moi est gloire. Et c'est ça que fait dit que en fait toute prière chrétienne est magie. Il est déjà sur un terrain de la magie. Il y a le Inconsciemment, alors. oui, inconsciemment. Parce que la différence entre prière et magie, dès que on commandait la divinité, je suis dans un terrain magique. Ça veut dire que je fais du do ut des en latin. Je donne afin que tu me donnes. Alors que, en réalité, ce qu'il fait, il fait une supplique. Il ne fait pas une louange. Il n'a pas dit. On rend nous gloire pour tant qu'on camite, par exemple, à pleuver les matins, qu'on culture et on culte Bayakou. C'est le culte que les camites rendent au soleil, et que les Égyptiens considéraient d'ailleurs comme Dieu, Ra. Eh bien, les matins, ils ont levé et puis ils rendent nous gloire à astre brillant, ça, soleil. Mais ce n'est pas ce qu'il fait lui-même. Il dit, moi, je veux ouais, gloire. Moi, je veux une manifestation de gloire. Donc, ce n'est pas en louange, c'est une supplique. En réalité, tout chant, au fait, est une supplique. Les soifs de Dieu, encore une fois, moi, à galvauder, encore une fois, et son terme avec qui je ne suis pas d'accord, mais si je retiens dans l'esprit texte là, et puisque le soif, il dit, moi, je veux ou non l'autre niveau. Voilà ce que chanter, assembler, exprimer, ils ont désir de la part du chantre. De grandir dans relation avec cette énergie première que relaie Dieu. Analogia, c'est ta fille qui peut-être t'avais conscient que bon distance, gagne froid, gagne coupure entre lui-même avec moi, puis qui dit papa, m'd'aller mais qu'on a un peu plus intimement. Jusque-là, moi comme père. Mais je voudrais te connaître comme papa. Donc, là, c'est M'dare ça mes Otaka. cachita sous, m'dare mes ca jouer avec vous, etc. Oui. Donc, c'est ça Otaka. Comment Otaka expliquer expression yon l'autre niveau là. Oui, dans l'autre niveau, mais justement, je dis, il besoin qu'on ait plus en profondeur. Parce que, L'intimité. oui, bien sûr, en relation, toujours il y a plusieurs stades. OK. J'étais avec madame ou l'autre côté madame au premier jour où tu es con elle. Ce n'est pas consorté avec l'Ijodia. Ouais. Et même lorsqu'elle vit de Madame Mou, il y a des hauts et des bas. Une relation, ce n'est pas un long fleuve tranquille, pour m'utiliser l'expression poétique. Ça, moi, très bon aussi, dans l'analyse littéraire, dans l'analyse textuelle, bravo, enfin, excellent exégète, félicitations. Merci. Au fait, oui, une relation n'est jamais un long fleuve tranquille. Et relation que yon moun entretenir avec cette énergie première que les dieux, les parents l'ont fait tranquille non plus, puisque le niveau de conscience n'est pas le même, le niveau d'éveil Okay. n'est pas le même. Par exemple, dans la théologie orientale chez les bouddhistes, il y a parlé d'éveil, un éveil à la conscience, Okay. une prise de conscience du grand soi qui est en nous. Eh bien, j'en étais là dans, il y a un mois, c'est pas qu'on s'amie aujourd'hui, hein, et dans un mois, c'est pas qu'on s'amie pied. Donc, c'est, il veut croître. Il D'accord. voulait grandir dans la relation. Parfait. Ne t'as pas les tout à l'heure de relations et poissons crasés dans Dans Guyon. bouillon. Maintenant, dans quelle position par rapport à yon moun qui a prié, qui a fait une demande matérielle? Généralement, nous, les moun a prié, c'est comme ça, yon mandé bon Dieu. Ou même personnellement, quelle position par rapport à type de prière ça C'est de la charnalité. oui, parce que les dieux ne donnent pas. C'est toi qui te donnes. Ça, mon Dieu doit comprendre. C'est que
ça nous relève la vie, ça nous relève l'existence, faut nous penser en trois épisodes. Bon épisode prématériel, Ganel t'est avant Ganel. Parce que Ganel a toujours été. Il n'y a pas un temps où Ganel ne fut pas. Et il n'y aura pas de temps où tu ne seras. Okay. Donc, il y a eu un épisode pré-matériel. Nous avons un épisode matériel là. Okay. Et après un épisode dématérialisé. Côté que nous avons quitté le corps ça, pour nous continuer à grandir. Bon. Pendant l'expérience ça, nous avons perdu certaines connaissances que nous avons gagnées avant. Nous pas toujours conscient de puissance qui toujours en nous, mais que nous t'égards avant. Et là, nous devons problème l'argent, nous devons problème caille, nous crier, nous dit bon Dieu, viens aider, et puis tout en ignorant que Dieu a c'est vous-même. Alors que par une bonne méditation, par une bonne projection mentale, par une bonne autosuggestion, tu feras tout ce que tu veux. Maintenant, spiritualité détourne ni, enfin, dans la religion chrétienne et surtout dans les églises protestantes, nous détourne spiritualité de finalité li. Dans le sens que nous utilisons religion pour nous régler les affaires. Nous rentrons dans bon Dieu pour bon Dieu bay nous caille. Nous rentrons dans bon Dieu pour bon Dieu bay nous madame. Nous rentrons dans bon Dieu pour bon Dieu bay nous mari. Nous rentrons dans bon Dieu pour bon Dieu bay nous petit. Et tu vas regarder, l'on rentre dans l'église protestante. Ça me les prières là, ce n'est que ça. Au fait, son deal que évangélique au fac bon Dieu, ils sont dans un rapport transactionnel avec Dieu. Max Weber et Lisa ont un rapport transactionnel, je donne pour que tu donnes. Le do ou des. Mais c'est de la charnalité. Le ou bien comprendre la spiritualité. Encore une fois, tu ne demandes rien à Dieu. Jésus disait que ta volonté soit faite, mais si tant est qu'il y a eu un Jésus. Mais tu vois, tu ne demandes rien à Dieu. Tu fais ce que tu as à faire. Parce que tu as tout en toi. Mmh. Excuse, ma pensée est subversive. Hein, non, c'est bon. Au contraire, pour éviter là, penser qu'il y a bien édifié, il y a bien apprendre une série de bagailles qui nous vaut. Avant même, nous. Mwen ta mande ou ote text la ki mesaj li te vle pase avan menm mwen ta pose ou kestyon sa. Ou pa l pèmèt mwen fè, jeneralman mwen toujou fè yon rezume de sa mwen menm mwen kompran. Mwen li rezume ya. E pi si li pa konform, si gon problem, si gon erreur ou bet avanse e pi pou nou kapab e mette on fin la dan. Ok. Daly Benson, dans son texte, Mwen vle wè ou nan yon lot niveau, adresse sa prière à Dieu dans le but d'avoir et de voir les différentes dimensions du grand architecte pour pouvoir approvisionner son âme et affermir sa foi. Fait-il des exigences à Dieu sans le vouloir? Et si tel est le cas, Dieu aime-t-il qu'on lui fasse des exigences? Des réponses que vous et moi ne saurons peut-être pas pour l'instant. Mais avec espoir, Pasteur Daly Benson nous le dira dans un autre texte. Voilà, c'est comme ça moi-même, moi fait résumer texte là. Moi, par contre, est-ce que ou même, ou t'es capable de faire avancer ou bien, ben et oui. Si possible, dans samedi-là? Oui, ou tout à fait, j'ai raison. J'ai un ancien professeur, moi, qui d'ailleurs était sous jury de thèse de doctorat, moi, qui relait André Mir, son grand théologien en exégète, il prend retraite, lui, mais très capable. Et puis, il y a un livre qui relait Voir Dieu de dos. Au fait, l'œil dit l'envie, ouais, bon Dieu, c'est de l'utopie. On ne peut voir Dieu que de dos. L'homme au monde de dos, ça signifie qu'il y a toujours un peu de doute, qu'il y a toujours un non-dit, qu'il y a toujours un,
quelque chose qui nous échappe. Et dans les sociétés secrètes africaines et vaudou, par exemple, le roi fait une invocation, une interpellation, dans l'oie, par exemple, dans le cimetière, ou à l'relais, un gros l'esprit. C'est toujours de dos ou baili. Pour quelle raison? Parce que l'énergie, ça, il y a une dimension telle que ou pas qu'à ouel janvier. Et de ce côté-ci d'existence, c'est de dos. Pour nous, ouel, faut l'en dos, nous. Et le pour aller, faut virer pour toujours bal dos. Et ça, c'est profond, ça. Hein? Et vous notez encore une fois comment ça met les théologies juives là, les copier sur africains. Parce que bon, tu as une grande diaspora juive en Égypte. Hein? Bon, pas bien les gens, pas bien juifs qui quittaient l'Égypte pour passer par la mer rouge, bon Dieu, femme, tout ça, c'est des mythes fondateurs. Mais toujours est-il que t'es gagné une grande diaspora juive en Égypte. Bon. Et juifs ont appris d'Africains, nos ancêtres, que réalité énergie première, ça, elle est tellement dense, elle est tellement totalitaire, pas au sens de bagaille qui totalitariste, non bagaille qui totalité sens, qui couvre tout, que nous-mêmes qui sommes points. Dans l'infini, c'est de dos pour Noël. Bon, évidemment, c'est l'aspiration de tout humain de parvenir à ce degré de l'infini. Mais en attendant, on ne peut qu'aspirer. Voilà. Mais vous Mais, résumez bien. merci. Mais Tout vous excusez-moi, résumez bien, pensez-le. d'accord. Côté, en fait, c'est une sorte de mythe, lorsqu'on t'a pas expliqué là, en fait, si nous faisons une invocation, ou pas qu'à ouais, mon nom de face, ou obligé ouais, de dos, et même l'élite, même la virée, Son bal ou nous même encore. tout, son mythe, côté bah, Non, ça c'est pas un sorti, mythe, c'est une c'est un mythe, analogie. son analogie. C'est une analogie. Parce que mythe, souvent, un mythe, ce n'est pas quelque chose de faux. Un mythe, mythos en grec, c'est un récit qui ne s'est jamais produit, mais qui se passe tous les jours. Pensez au mythe de Bouki et de Malice. Pas jamais un monde qui est les Bouki, pas jamais un monde qui est les Malice. Mais la dynamique de rapport entre Bouki et Malice, ça se passe tous les jours entre les Oui, Haïtiens. Donc, oui, en sens, oui. ça, c'est un mythe. Eh bien, l'idée de ma vie, ouais, bon Dieu, mais seule façon pour moi, elle, c'est de dos, c'est de dire que au stade où je suis dans l'existence, qui est un continuum, il me manque quelque chose pour moi. Dieu, entre guillemets, tel qu'il est. Parce que le jour où je verrai Dieu tel qu'il est, je ne ferai qu'un avec lui. Et c'est ça que fait dans la théologie kamite, il prévoit que n'a réincarné au moins 14 fois. En fait, tout au plus 14 fois. Mais est-ce que n'a pas Parce qu'à chaque conscience fois, à mais est-ce chaque fois, oui. oui excusez-moi mais est-ce que n'a pas conscience de réincarnation ça c'est ça le problème La question qu'il faut se poser, est-ce qu'il est possible d'en avoir conscience? Oui, il est possible d'en avoir conscience. C'est tellement qu'il est possible d'en avoir conscience qu'on en parle. oui Si nous pas conscients que gain réincarnation, nous pas qu'a dit gain réincarnation. Est-ce que tout le monde qui est réincarné connaît ça? Je pense que nous avons des moments de lucidité, des moments de déjà-vu. Oui, 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 On me oui. dit, mais il me semble que moi, ça déjà, me tente des paroles, ça déjà, Mais il me fait etc. ça Oui, il me déjà. fait ça déjà, Oui. oui. Mais la physique quantique prouve, il y a des plurivers. Il y a plusieurs univers qui sont des copies de l'autre, en sorte que ça nous fait là, nous fait le déjà, etc. Et nous-mêmes, les Kamites, nous présenter le sous forme de réincarnation. Toi qui veux réincarner, c'est à la fois pour nous venir renforcer lignage, nous, lignée, nous.
mais c'est en même temps pour nous venir perfectionner nous, pour nous réaliser ce que le pasteur a dit dans sa supplique, pour nous venir désormais pas où est l'énergie première de Dieu, mais pour nous où elle telle qu'il est, pour nous retourner la caille nous. Et alors là, nous venons faire vraiment yon seul avec lui. Oui. Bon, mes amis, nous arrivons dans fin émission. C'était avec un pile plaisir, un pile cœur content pour nous apprendre. Yon sait de bagay que moi-même, moi, pas de connaître. Et pasteur, docteur, et Jean Fizeme, t'es poté pour nous. Docteur Nabdio, nan non point vigile, nan non tout fanatique point vigile, yo, Nabdio, merci. Merci parce que les Harold Pendle, ti frère, ou te. Et me demander le numéro 1, c'est avec plaisir, ou même ou t'es accepté, ou pas de marchand de nous. Merci en pile, ça fait nous plaisir, et nous remercions pour ça. Son plaisir pour moi, et puis d'ailleurs, on connaît que disponible pour vous, et puis continuez à faire bon travail, ou à faire là, et puis moi, que vous très bon dans l'analyse textuelle, dans l'analyse littéraire. Kembe là. Merci beaucoup. Allez, kembe jam, merci. Ça fait plaisir. Mes amis, nous allons, nous mettons un point virgule dans l'émission, ça, je vous dis à une autre fois, à la prochaine. Bon dimanche Pâques à tout le monde. Merci parce que chaque jour dans la vie, nous va permettre que nous vivions dans l'autre dimension. Mwen bezwen, mwen bezwen, liske.
goût.